Clore Prima, je suis entrepreneur salarié dans la coopérative Élan Créateur et j'ai une activité qui s'appelle Rendez-vous Métier qui est plutôt de l'orientation tout au long de la vie. Et j'ai un projet commun avec Mathilde Panel qui s'appelle Rendez-vous Nomade, qui est là plutôt de pouvoir aller vers les publics et les aider notamment à s'orienter par la pédagogie active, par des escape games et d'autres jeux. Alors, je m'appelle Mathilde Panel, je suis scénariste de jeux, donc mon entreprise s'appelle La Récré Nomade. Je fabrique des jeux en bois, des jeux de société, et je scénarise des escape games, des murder parties, des jeux voilà, à taille réelle. C'est dans le cadre de Récré Nomade que j'ai rencontré Laure, où je trouvais déjà que le jeu avait une utilité sociale. Et Laure, elle lui a carrément donné une profondeur supplémentaire parce que là, on utilise le jeu dans le cadre de recrutement, dans le cadre de marque employeur ou simplement pour révéler la compétence de nos joueurs et plus seulement avoir juste un moment ludique, mais aussi un moment pédagogique et utile. Dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt de la région Bretagne pour l'égalité femmes-hommes, on l'a traduit avec l'entreprise Transdev par 5 événements qui font l'ensemble, sur l'ensemble de la Bretagne, qui s'appellent Arrêt demandé pour l'emploi. Donc c'est eux qui ont répondu à l'appel d'offres, mais ils ne pouvaient pas le faire sans notre expertise d'un outil de pédagogie active qui permettait de casser les préjugés par rapport à la mixité dans l'emploi. Il s'agit d'aller vers des territoires sur l'ensemble des 4 départements, vers des territoires où Transdev bien sûr est implanté puisque eux ont des besoins de recrutement, et s'associer en fait aux acteurs locaux de l'insertion et de l'emploi, donc bien sûr Pôle emploi, bien sûr la mission locale, mais aussi des associations, des centres de formation qui œuvrent à l'insertion dans l'emploi de toute personne et notamment des femmes. Et en agissant avec eux, on monte un événement de toutes pièces. Il y a eu un cofinancement aussi de la Banque des Territoires qui s'est allié donc au financement région et Transdev. Donc ça veut dire que quand on arrive à chaque fois sur les territoires, donc comme aujourd'hui Carhaix, ils ont un service complètement gratuit. Ce qu'on leur demande simplement, c'est de mobiliser les services techniques de la ville. Donc forcément, c'est du temps et de l'argent. Mais pour eux, c'est plus transparent d'un point de vue économique. Donc c'est vraiment un projet d'une entreprise et d'une région et de la Banque des Territoires au service justement des territoires, des collectivités qui sont surtout là pour mobiliser l'énergie, leur réseau, pour que l'événement fonctionne. Le choix des lieux a été concerté avec donc, la région Bretagne, donc déjà on était sur cette région-là. Il nous paraissait évident de ne pas faire d'inéquité entre les départements, donc être sur les 4 départements. Et après, on a été dans du concret, c'est-à-dire où Transdev a des ressources humaines, puisqu'il participe au projet. Et après, moi, ayant travaillé à Pôle emploi, j'ai une connaissance des territoires qui fait que je connais les lieux où il y a plus de chômage que d'autres. Donc, on a favorisé des lieux où c'est plus compliqué pour une femme de trouver un emploi. Donc, et puis après, c'est en croisant toutes ces informations aussi avec des partenaires, la région, Pôle emploi, qu'on finalement, il y a des lieux qui sont plus adaptés que d'autres. On a fait en sorte de ne pas faire ombre aussi à des événements existants. Et puis, il était important pour nous d'aller sur des territoires à taille humaine. Donc, s'autoriser des petites villes et non pas que des grandes villes, même si on a commencé par Rennes pour se faire un peu connaître. Mais voilà, aujourd'hui Carhaix et puis le 5 novembre Dinan, voilà, d'avoir aussi un regard sur ces plus petits territoires. Mmh.
comme le dit Rendez-vous Nomade, le but c'est d'aller vers les personnes qui ne vont plus vers les structures. Donc ce qui nous intéresse quand on vient sur un territoire breton dans le cadre de l'arrêt demandé pour l'emploi, c'est de s'appuyer sur les structures actives d'un territoire, donc notamment associatives, notamment les accompagnements que fait la région. Aujourd'hui, la région accompagne des personnes éloignées de l'emploi pour aller vers un projet, une formation ou un emploi. Donc c'est avant tout ces publics-là qui sont déjà accompagnés, qui nous intéressent, mais aussi tous ces publics qui ne seraient peut-être pas accompagnés, mais que des associations locales auraient pu repérer. Donc évidemment, des espaces femmes nous intéressent particulièrement. Ça peut être des femmes qui sont victimes de violences conjugales. C'est le cas de la prochaine session qu'on aura à Dinan. Dans notre escape game, de manière générale, on parle des préjugés. Des préjugés que peuvent avoir un employeur, des préjugés que nous, on peut avoir. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes aussi qui nous mettons des freins à ne pas aller vers certains métiers. Donc l'objectif du scénario de notre escape game, c'est de casser ces préjugés, puisqu'on les met à la place d'un recruteur, nos candidats. Donc c'est eux qui vont devoir, dans une entreprise du 21e siècle qui recrute sans CV, aller à la connaissance de chaque candidat. Et à un moment donné, le sexe ne va pas compter. Ils vont plus se souvenir que Constance est une fille, que Vaillant est un garçon, parce qu'on a mis justement exprès en avant un prénom qui était une qualité, Constance, Vaillant, etc. Donc à un moment donné, ils s'extraient du sexe de la personne, et c'est eux-mêmes qui font la démarche. Quand ils sont ensemble autour de la table pour décider qui va avoir quel poste, c'est chacun qui va dire bah, « en fait, Constance, elle a telle qualité ». Et à aucun moment, le mot de son sexe n'apparaît. Et donc, ils vont s'autoriser justement par cette réflexion à se dire bah, « Constance, elle serait très bien sur un métier finalement de conduite, elle serait très bien sur un métier de mécanique, elle serait très bien sur un métier d'informatique, trois secteurs où les femmes ne sont pas assez représentées. » Un métier mixte, c'est un métier où il y a un 60-40 des deux sexes, et on a fait exprès que dans les métiers sur lesquels ils doivent rechercher des personnes, on soit sur des métiers traditionnellement masculins ou féminins. Maintenant, la pédagogie active, donc je suis dans l'action, je suis acteur, je participe, donc je retiens mieux. J'écoute, j'entends, je fais, je retiens. Donc évidemment, les mettre à la place de personnes qui recrutent, c'est clairement de la pédagogie active, parce que quand ils sont en entretien, ils peuvent maintenant se mettre à la place du recruteur. Donc ils manipulent déjà les choses, ils les touchent, donc ça c'est important. Beaucoup de pédagogies Montessori, Freinet, font appel au côté tactile pour mieux retenir. Donc ils touchent les objets, ils touchent finalement les personnages féminins et ils touchent les postes qui sont plus typiquement associés à des recrutements masculins. Ils font le rapprochement entre les deux, etc. Donc ils se retrouvent en fait dans la peau d'eux, ce qui permet de réfléchir sans barrière du sexisme. On a eu des cas ce matin de gens qui ont fait toute leur vie le même métier, qui doivent peut-être se reconvertir ou qu'on fait un choix de reconversion et qui se voient pas du tout faire autre chose. Et cet escape game, ça permet un peu d'ouvrir un peu les portes et de dire bah peut-être que vous avez travaillé seul par exemple toute votre vie, mais nous là on vous a vu en équipe, on vous a vu agir en équipe et vous êtes doué pour ça, vous êtes bien, enfin vous êtes à l'aise, vous avez les capacités pour. Est-ce que vous y avez déjà pensé? Le fait que ce soit actif, c'est comme tu disais, on va faire un débrief positif sur eux. Donc déjà, on arrive à Pôle emploi, on n'est pas forcément en confiance. On a tous peut-être vécu ça une fois, c'est pas forcément la confiance tout de suite. On ne sait pas si on va nous trouver un poste ou un emploi qui va nous plaire. Et ben là, on va les observer et ce qu'on va leur dire sur ce qu'on a observé, c'est du concret. C'est pas « bon bah c'est vrai que tu as l'air d'être comme ça ». C'est non, tu as fait preuve de cette compétence-là pendant le jeu, on l'a vu, c'est une preuve. Donc tu es comme ça, en tout cas dans le laps du jeu. Et ce qui est intéressant, c'est que on les met dans une situation où ils ne connaissent pas leur coéquipier, ils ne connaissent pas la pièce, l'endroit, ils connaissent pas les énigmes, ils connaissent pas les tâches qu'on leur demande, ils connaissent juste le fil conducteur. On peut s'imaginer que quand on rentre dans un nouveau travail, on nous impose des collègues qu'on ne connaît pas, un travail qu'on doit apprendre, etc., une formation qu'on doit faire, donc ça demande une certaine adaptation. Donc on peut faire tout à fait le rapprochement entre l'escape game et le milieu du travail. On arrive un peu désemparé, on ne sait pas trop, on ne comprend pas trop, combien de temps je mets pour m'accaparer les énigmes, combien de temps je mets pour être à l'aise, et au bout d'un certain temps, bah, je coopère, je communique avec les autres, on fait ça à deux, à trois, et là c'est parti. Et donc à la fin, quand on leur parle
travail. Déjà, ils ont entendu plein de choses positives sur eux, donc ils sont attentifs parce qu'ils savent que ce qu'on a vu, c'est vrai, on l'a vu. Et en plus, bah, ils font eux-mêmes le rapprochement entre eux. Oui, c'est vrai que ce que j'ai vécu là, je peux le vivre demain sur une journée d'essai dans n'importe quel travail. L'idée, ce serait de rester nomade, pour ma part, mais je pense que tu vas être d'accord. Moi, mon truc, c'est la bricole. J'adore bricoler. Donc peut-être dans 5 ans, bah, je me vois être beaucoup plus montée en compétences sur des systèmes, par exemple, électroniques, avec des énigmes peut-être un peu plus magiques, on va dire, qu'on maîtrise pas forcément tout. Pourquoi pas avoir des escapes qui peuvent... On peut accueillir plus de gens, trouver des moyens pour accueillir plus de personnes. Essayer d'aiguiser ma perception de l'observation, parce que c'était pas mon métier, moi, à la base, observer les gens. Moi, bien sûr, la partie qui m'intéresse le plus, c'est la partie RH, la partie aussi montée en compétences. Donc, c'est devenir aussi un outil un peu de référence qui peut servir aussi à d'autres structures. Donc, plus on fera monter en compétences d'acteurs avec notre façon de faire, nos outils, plus on aura un impact fort. Thank you.